Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes lundi 27 et j'ai accroché il y a déjà un petit moment mon disco mulch que vous connaissez. Voilà. Et je suis en train de détruire le couvert que j'avais mis, qui était du seigle forestier, du sarrasin qui a disparu cet hiver, et de la facélie qui a disparu aussi. Donc vous voyez, il ne reste plus que, grosso modo, que le seigle. Et donc c'est pour y implanter une orge de printemps, RGT Planète, que j'aurais dû implanter cet hiver. Mais malheureusement, quand j'ai voulu l'implanter, il faisait mauvais. Et donc j'ai préféré reporter. À la base, elle ne devait pas être dans cette parcelle, mais pour des raisons d'assolement, je vais la mettre dans cette parcelle. D'où, on va dire, le mauvais couvert, parce que mettre un seigle forestier qui est une céréale et remettre une céréale, c'est pas terrible. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, bah allez, je vous laisse, à plus. Bon, il y a certainement des trucs à manger. Bon, fin de journée, le soleil est en train de se coucher, j'en ai encore environ pour 2 heures à préparer ma parcelle. Et avant qu'il fasse nuit, et je suis à l'abri du vent parce que ça soufflait très fort la journée, ça s'est un peu calmé. Alors j'espère que ça dérangera pas trop. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le sol, le fait de laisser un couvert jusqu'au dernier moment. Alors, vous voyez comme c'est extrêmement friable. Les racines sont certainement descendues à un bon mètre de profondeur. Et comme vous pouvez voir, c'est encore voyez, très humide. Ça a gardé l'humidité, ça n'a pas du tout desséché le sol. Et les mottes, ça fait de la petite motte qui se casse toute seule. Bon, on va continuer. Parce que j'ai encore les pointes à faire, et puis par contre le champ... j'ai encore trois tours, j'ai encore les trois fourrières, à faire. Alors, c'est tout, je vous dis à demain, bonne soirée à tous, salut!